Eh bien, comme vous voyez, mesdames, messieurs, il y aura beaucoup, beaucoup de poids au Forum de Montréal. Et ça, c'est lundi soir, 19h30, le 8 février prochain. À surveiller ce match 3 contre 3 très spécial. D'un côté, Ricky le Dragon Steamboat, Macho Man Savage et Hulk Hogan, le grand champion du monde. De l'autre côté, ces messieurs, vous avez reconnu sans doute Honky Tonk Man, le champion intercontinental. On a également le Hart Foundation et Jimmy Hart, sans oublier, bien sûr, dans le coin, André le Géant. That's right, the eighth wonder of the world, André the Giant, the Foundation, and the Honky Tonk Man. We will be ready. Ils seront prêts, mesdames, messieurs, la huitième merveille du monde, André. Moi, je veux dire une chose, si je viens ici, c'est non seulement pour les regarder lutter, parce que ce sont des bons lutteurs, mais si je viens ici, c'est pour toi, Hulk Hogan, juste pour te faire peur. Parce que tu crois peut-être que je vais intervenir dans le match. Je n'ai pas besoin d'intervenir dans le match. Tel qu'ici, j'ai les deux anciens champions du monde. Et ils ont été champions du monde pendant bien longtemps, crois-moi. Ils ont fait peur à bien du monde aussi. Et là, ici, l'intercontinental, champion intercontinental. Il y a une chose. T'as peut-être vu le dégât qu'il a fait avec Randy Savage. Ben, Hogan, maintenant, ça va être ton tour. Mais moi, je viens juste pour vous regarder trembler de peur. Là. Maintenant, André, tu sais, lorsque tu reviens à Montréal, les gens sont quand même très, très impressionnés et ils savent tous que... À quel point de vue qu'ils sont impressionnés? Parce qu'ils savent que tu suives de près Hulk Hogan. Je le suis de près, puis bien de très près. Parce que maintenant que Ted DiBiase m'a acheté, et je me suis fait acheter ça, je le reconnais. Mais pour l'argent, je ferais n'importe quoi. Mais en plus de ça, pour l'argent, c'est juste pour remonter sur le ring avec toi, Hogan, et prendre ta ceinture et en faire cadeau à Ted DiBiase, justement. Parce que je veux qu'il y aurait tout le monde de cette manière-là. André, il y a le dragon, Ricky Steamboat, qui a dit qu'une petite flamme pouvait brûler n'importe quel grand bonhomme. Ricky Steamboat, tu sais à qui il ressemble pour moi? Non. Il ressemble à Little Beaver. That's right. Alors, mesdames, messieurs, comme vous voyez, ça surveille, il y a sans doute énormément, énormément d'action. Il y aura beaucoup de flammes, de chaleur au Forum de Montréal. Vous avez reconnu la Hart Foundation, Bret Hart, Jim the Anvil, Neidhart. Il y a également Honky Tonk Man et ils s'en promettent beaucoup, justement, face à Ricky the Dragon Steamboat, Randy Macho Man Savage et Hulk Hogan. Et n'oubliez pas que la prochaine fois que je reviendrai à Montréal, Ted DiBiase sera le champion du monde. Ça, je vous le promets. Et c'est toi qui vas lui avoir donné cette promesse. C'est sûr. Alors, mesdames, messieurs, voici beaucoup de promesses d'un grand, grand monsieur à surveiller donc au Forum de Montréal. C'est lundi le 8 février, 3 contre 3 dans le ring. Soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, merci.